and darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. Je bénis le Seigneur, hein? Je bénis le Seigneur pour le nouveau campus de ICC Bruxelles. Hein? Nous avons commencé ce merveilleux voyage il y a de cela 5 ans. Hein, je me souviens à l'époque, au premier culte, nous n'étions qu'à 60. Et le pasteur Christian nous disait que si nous faisons vraiment ce que le Seigneur nous demande de faire, nous allons voir sa gloire et la manifestation de quelque chose, des choses qu'on n'a jamais vues. Et aujourd'hui, vraiment, je peux témoigner. Ici à Bruxelles, une église qui a à peine 5 ans, avoir un tel bâtiment, un tel auditorium, un tel bâtiment avec tout ce qu'il y a comme facilité, vraiment nous disons gloire à Dieu. C'est vrai que ça n'a pas été facile, hein, il y a eu des luttes, il y a eu des combats, mais vraiment nous avons un Dieu fidèle et j'aimerais aussi le remercier par rapport au leadership du pasteur Christian, du pasteur Evelyne. Qui nous montre vraiment l'exemple. Et voilà, on dit gloire à Dieu et ce n'est que le commencement. Je voudrais juste rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux campus, pour la dimension auquel le Seigneur veut nous emmener. Nous, on était dans l'ancien campus, on a vu la gloire de Dieu. Je crois et j'espère encore qu'on verra la gloire de Dieu dans ce nouveau campus, car le Seigneur a été avec nous depuis l'ancien campus et il continue encore d'être avec nous dans ce campus. Vraiment, vraiment, quelle grâce, quel privilège. On sent la présence de Dieu, on voit la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Je viens de ICC Boissy et on est venu vous soutenir pour ce premier culte et c'était juste magnifique. Merci Seigneur pour ces beaux locaux, merci pour toutes les stars et tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Voilà, c'était super. Nous sommes vraiment contents de ce qui vient de se passer parce que nous croyons que c'est vrai, on a payé un prix, c'était très difficile, on a travaillé jusque dans les dernières heures, mais on croit que le même prix qu'on a payé est équivalent à ce que le Seigneur est en train de réserver pour nos vies et pour la Belgique tout entière. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Je m'appelle Pino, je suis du département intégration. Nous bénissons le Seigneur car quelque part la Bible dit la joie de la prière c'est l'exorcement. Aujourd'hui, le Seigneur vient nous prouver sa fidélité, sa bonté en réunissant dans ce lieu, dans ce campus d'excellence, son peuple venu des 4 coins de la Belgique pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Car il a dit dans sa parole, les vrais adorateurs adorant le Père en vérité et en esprit. Nous sommes tous témoins de ce qui a été manifesté ici dans ce campus d'excellence et que le nom de Jésus-Christ soit célébré dans toute la Belgique. Merci. J'étais très surpris de par la réalisation de tout ce que les stars ont fait, de tout ce que les membres de l'église ont accompli. Ce que le Seigneur a réalisé au travers d'eux, c'est merveilleux. C'est vraiment un campus exceptionnel. Il porte bien son nom, donc c'est un campus d'excellence. Je bénis l'Éternel pour ce merveilleux, merveilleux campus d'excellence qu'il vient de mettre à la disposition de frères et sœurs de l'Impact Centre Chrétien, campus de Bruxelles. Le mot me manque, c'est formidable. Le Saint-Esprit est là et vraiment nous sommes dans la joie. Le mot manque pour pouvoir décrire ce que nous ressentons. En fait, on s'est dit waouh. Si on sait d'où on vient, avec toutes ces années de bataille administrative pour finalement être ici aujourd'hui, je ne peux dire que c'est une grâce. C'est une grâce. Avec le monde qu'on a eu aujourd'hui, personne ne peut dire que c'est une œuvre d'un homme, non. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Nous sentons vraiment très petits par rapport à la grandeur de notre Dieu qui serait capable de faire ce qui vient de se passer aujourd'hui. Et les mots me manquent et tout ce que j'ai à dire, c'est que Seigneur, merci. Merci pour cette œuvre que tu as commencée ici, en Belgique. Merci pour les vies qui se sont données aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues en Christ. Et ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. Nous sommes là, tu nous as établis et nous allons conquérir la Belgique pour le Christ. C'est ce que nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Soyons tous bénis et rentrons tous dans cette dynamique d'expansion du royaume de Dieu.
Il ne s'agit pas d'une église, il ne s'agit pas de ICC, il ne s'agit pas d'un pasteur. Il s'agit du royaume de Dieu sous le commandement du Saint-Esprit, car c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est à bord, c'est lui qui nous conduit. Et nous autres, nous sommes que des instruments, nos pasteurs sont des instruments et nous sommes là pour servir à leur côté. Et je bénis le Seigneur de m'avoir placé ici à ICC, dans cette plateforme où vraiment on est challengé, pas par un homme, mais par le Saint-Esprit, pour la gloire de son Saint-Nom. Merci. Soyons tous bénis. Amen. Nous sommes très ravis d'être ici aujourd'hui pour ce jour d'inauguration. Ça a été un long combat où on a prié, on a su, on a jeûné. Voir le travail qui a été fait, vraiment, je suis vraiment ravi de faire partie de cette maison. Je bénis le Seigneur pour toute la famille ICC, pour le pasteur et toutes les personnes qui ont contribué à pouvoir accomplir cette œuvre. En tout cas, le culte était vraiment un moment puissant. La présence de Dieu était palpable et le Saint-Esprit était présent. Il nous a beaucoup parlé ce matin et nous a vraiment équipés pour les jours à venir. Ah, c'est super. En tout cas, on bénit le Seigneur parce que c'était un merveilleux culte. Surtout, pas seulement parce que c'était un culte d'inauguration, mais comme chaque dimanche, de gloire en gloire. Et vraiment, son serviteur, le pasteur Marcelo, a été une grâce, une bénédiction pour ce jour. Et, exactement. Vraiment, comme il a dit, le message que le Seigneur l'a communiqué pour nous ce jour m'a tellement impacté. Que donc, pas seulement le miracle, mais après, on toujours, toujours rester accroché à Christ. Et le rémunérateur des miracles. Voilà. Qu'il soit béni.